Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de qui est le plus entre papa et maman. C'est plus entre Soraya ou Chéché. Non, c'est papa ou maman. Vous allez voir, il y a plein de questions. Et on va se faire juger. C'est l'heure de notre procès, bébé. Ouais. On se retrouve tous les quatre. On est trop bien. Ouais, on est tous les quatre. C'est trop cool, je kiffe trop. Ça fait longtemps. Une vidéo en famille. La dernière fois, c'était bière pong. C'était pas Halloween ? Halloween, ouais. Halloween. Bon, c'est parti, on commence, les amis. C'est parti. Qui est le plus sévère ? Ah. C'est qui ? On a le droit. Sévère. Qui est qui gronde le plus? Mais on a le droit de dire aucun. Non, mytho. Vas-y, vote pour papa là. Bah, allez. Qui crie le plus? Qui te gronde le plus? Mais moi, il n'y en a aucun, j'ai voté au hasard. Je vote pas H24 non plus. Hein. Ah ouais. Il ne compte pas à 24, donc j'ai voté au hasard. Bon, apparemment, je gueule tout le temps. Qui est le plus jaloux? La mytho! Oh là là. Mais tu es jaloux? J'ai rien dit. T'es pas jaloux? Si. Mais moi, j'ai jamais vu papa jaloux. Il a jamais été jaloux pendant 11 ans. Bah ouais, moi je dis maman. Oh. Je suis d'accord. Putain, c'est mon procès, les gars. Ça part. Ouais, je suis jalouse. Alors, qui est le plus sportif? Le plus sportif. Qui fait le plus de sport? C'est pas compliqué, ça. Hein. Encore un point pour papa. Purée. Quoi, tu vas qui est le plus bordélique? Papa. Oh. Je suis outré. Mais wesh. C'est qui fait le plus de bazar, Karen? Non, papa, il est bon. Mais déjà, à la base des bases, qui fait le plus de bazar, c'est les filles. Non, c'est Chéri. Oh, mais là, t'as vu tous les jeux qu'il y a dans là, c'est entre papa et maman. Non, mais c'est toi, les vêtements et les tours. Il y a un bruit, là. Mais là, c'est entre papa et maman. Ok. C'est qui entre papa et maman? Ok, ok, j'ai une question. J'ai une question. C'est Robert, je crois, non? J'ai une question. Chérine, qui range le plus? Bah, ça c'est normal. Non, je m'en fous, il n'y a pas que c'est normal. Non, mais tu ranges ton bazar. Non, non. Tu ranges ton bazar, c'est normal. C'est pas. Mais vous faites quoi là? C'est pas ça. On n'a pas le droit de mettre les deux, mais vas-y. Bon, ok, vas-y, c'est bon. Donc, papa. C'est bon, elle a eu son point, papa. Qu'est-ce que. T'as posé une question supplémentaire? D'accord, pas. Qui est le plus en retard? Bon, ça c'est papa, arrêtez. Ils mettent 15 ans à se préparer. Quoi? Dédé, on arrive dans 5 minutes et on va dans ton lit. Non, mais attends, mais le resto, on reste jamais. Mais le resto, on le réserve pour 19h30. À 25, t'es encore là. Bah, normalement, ça compte de toi. On doit finir notre partie sur tête. Non, bah oui, on prend un truc qui. Non, ça compte pas. D'habitude, en temps normal. Je suis jamais en retard. Si. Toi aussi? Non, moi je suis toujours là. Oh. Je suis quelqu'un le de... matin. Écoutez, je suis quelqu'un ça de ponctuel. Non, c'est un gros mytho. Le matin, il commence à 7h30. À 8h30, il est encore à la maison. Mais faut pas le dire, imagine, il regarde. Il part grave à l'amour. Chut, non, il est trop en retard. On va couper. Allez, Sissou. Du coup, c'est moi. Maman, tu dis à mamie, on arrive dans 5 minutes, t'es encore en pyjama. T'es pas prête, Chérie, t'es pas maquillée, t'es rien. C'est à toi de voter. Qui est le plus en retard? Non, mais c'est une grosse blague. Est-ce que, attends. Le matin à l'école, est-ce que t'arrives toujours à l'heure ou t'arrives. Ah, mais si on arrive en retard, c'est un coup de sel. Attends. Oh, j'hallucine. Quand maman te dépose à l'école, est-ce que t'es à l'heure ou t'es mais en retard? Mais c'est une grosse blague. Non, je sais pas, c'est quand qu'on doit être à l'école. Non, mais quand tu arrives à l'école, est-ce que c'est au dernier moment ou tu es en avance et t'attends de jouer? Eh ben, je suis jamais en dernière. T'es jamais en dernière? Ah, ça va. Elle comprenait pas parce que moi je sais que tu descends à 29 pour faire. Parce qu'elle commence à 30. Et c'est pas bon, du coup, ok, c'est moi, encore une fois. Non, mais elle a pas voté, chérie. Chéché, tu votes qui? Qui est le plus en retard? Ah, maman, c'est toi. Ouais, par contre, c'est à l'envers. Putain, je dis ça.
Attends, qui est le plus gourmand? Là, les filles, sérieux, sans déconner, les filles. D'accord. Merci, chérie, merci. Attends. Papa, c'est vrai que t'es très gourmand, toi. Je dis une anecdote. Attendez, je dis une anecdote. Je dis une anecdote. Hier, on a fait les courses à Alma. Et papa il dit vous avez pris des bonbons, j'ai dit non. Après il dit bah viens prendre des bonbons. Non mais c'est le gamin, il achète que des conneries. Au travail il rentre tous les soirs avec des brownies, des donuts. Non. Je pense à vous. Oh là là, oh, là, merci là, là. Papa bah, oui. Merci. Ça vous fait pas plaisir. Mais il mange tout, qui est le plus dépensier? Qui dépense le plus d'argent? D'accord. Ça j'en suis sûre, c'est elle. J'en suis sûre, c'est elle. Oui. Voilà mais... Attends, pas... mais hey, j'avais un point avant, les gars. Faut pas lui laisser les cartes bleues. Bah ouais. Ouais, ok, j'admets, je suis dépensière. Jaloux. Et t'admets pas tout le reste? J'admets pas du tout le reste. Qui cuisine le mieux? Papa. Hey, ça va-tu vraiment de ta date de maman ou quoi là? Papa, tu cuisines. Mais c'est une grosse blague. Papa, ses pâtes elles sont trop bonnes, elles sont bien salées, chou. Mais non, mais fais ce que merci, tu penses. Merci, chérie. Chérie, elle a dit papa il cuisine jamais. Alors là, ce soir, vous allez manger vos doigts de pied. Je vais pas manger. Bon, d'accord, c'est papa. Et voilà, elles sont bien salées, c'est pas. Papa, il fait jamais à manger, mais c'est trop bon quand il fait à manger. Non, je vous explique, je ne fais jamais à manger parce que si ils prennent l'habitude de goûter ma cuisine. Ils vont plus en assez. Et surtout que t'es jamais là le soir avant ma... Et surtout que je suis pas là le soir. Non mais vous êtes sérieuse. Non mais en vrai les filles, non. Non allez, dites la vérité pour faire plaisir. Non, c'est pas pour faire plaisir. Papa il cuisine jamais. C'est qui cuisine mieux? Oui mais en même temps il est jamais là, il finit à 20h40. Je m'en fous, ça fait 13 ans que je suis avec lui. C'est la première fois que je l'ai vu faire un gâteau de tout fait. T'as jamais fait? Non d'accord, son gâteau il est trop bon. Il était pas bon, il était dégueulasse déjà. Non, il était trop bon, papa. Bref, un point pour maman. Un point pour maman. Et un point pour papa. Non, mais... Ouais, ok, vas-y, on fait. Ok. Allez, ensuite. Qui est le plus bavard? Bavard. Qui parle le plus? Regarde pas l'air, mets-toi ce que tu penses. Qui... Là, j'ai voté. Chéché? Je vois pas qui parle le plus. Alhamdoulilah. Ah bon? Non, je rigole. Ah, c'est une blague. Oui, je le disais aussi. Très drôle ta blague. Bah oui, attends. Donc c'est un point. Bah je sais pas, c'est positif ou négatif? Baba. Bah c'est chiant de bavarder. Oh bah merci, je vous saoule. Ouais, c'est négatif quand même. Ok. Allez, vas-y, on continue. Qui est le plus patient? Et ça je sais, c'est, je sais qui c'est. Ça c'est pas patient. Qui sait attendre et tout, qui prend son temps pour faire les choses et tout. Ça c'est papa. D'accord, maman tu prends jamais ton temps. La vérité sort de la bouche des enfants. Je dis rien. Qui est le plus relou? Relou en quoi? Genre... En tout. C'est qui papa, arrêtez, quand il commence à nous embêter les filles, c'est bien s'arrêter. Non mais relou dans quel sens? Non t'es relou, dans tous les sens t'es relou. Comment ça? Même pas, moi si. Et voilà. Je suis relou. Maman désolée hein, mais à chaque fois que je suis au téléphone avec une copine ou alors que papa il parle avec elle et tu dis il t'a dit quoi? Hein? Il t'a dit quoi? Hein? Après tu veux tout ça. C'est chiant. Ouais. Je suis désolée, mais... Je suis désolée. Sans commentaire. Je vous sers à quoi dans votre vie, en fait? J'ai deux points. Vas-y, Soraya. Qui est le plus tricheur? Le plus tricheur? Ah bah là, quand même. Qui triche le plus? Chérine. À toi, ça dépend. Ah bah oui, ça dépend. Au jeu, genre? Oui. Au jeu? Ouais, au jeu. En tout, en jeu. En tout de quoi? Non, en jeu, parce qu'il n'y a pas de quoi tricher, sinon c'est vrai. Dans la vie, Vas-y, chéché. Alhamdulillah. Non, c'était une blague. Non. Vas-y, chéché. Non, d'accord. Moi, je dis
Non, c'est pas vrai, c'est papa, chérie. Mais tu dis au hasard ou tu sais qui tu es? Tu sais, bah je sais pas. Donc... Bah c'est pas. Donc c'est le point de Soussou qu'on prend en compte. Bah non. Bah non, Yaka, ça fait un demi-point, un demi-point. Non, c'est un point pour maman. Mais c'est bon, papa, déjà. Ouais, c'est bon, laisse-moi, wesh. 7, 8, 9. Je vais t'écraser. Non, tu vas mettre la tête. T'es le meilleur. Qui est le plus drôle? Alors là, c'est facile en fait. C'est un truc de ouf, je vais me remettre en question. Le bébé change de femme là? Pourquoi? Non, j'ai pas envie par contre. Je sers à quoi? Non, je veux pas que tu changes de... Papa, t'as pas intérêt, je te parle plus jamais de la vie. Apparemment, tu sers à faire la cuisine. Même pas. Tu as voté pour moi. Allez, le plus drôle, qui fait les meilleures blagues? Papa. Ok. C'est vrai que c'est très drôle. Qui est le plus cool? Cool, genre quoi? Cool. Là, ça fait pas. Non, mais c'est une grosse blague. Tout va bien se passer. Bébé, non, c'est une blague. C'est papa. C'est pas grave, non, mais c'est une blague. Mais ne je me remets en question là. Ne pleure pas. Arrête. Non, mais moi j'ai envie de mettre les deux. Non, c'est bon, vas-y, tu mets la main. Moi aussi, c'est pareil, j'ai envie de mettre les deux. Arrêtez vos mythos là. Ouais, grave aussi là. Non, pourquoi? Parce que j'ai envie de mettre les deux. Pareil. Ça c'est pas cool. Qu'est-ce que t'as arrangé? Allez, vas-y. Ah. Qui est le plus maladroit? Maladroit. Qui fait le plus de bêtises? Qui casse des assiettes, des verres? Ouais, je savais que t'allais donner cet exemple. Bon, ok, là j'admets. Bah, on a plus de vaisselle. On doit. Tu la fais jamais en même temps, tu la ferais plus souvent, t'en casserais peut-être autant que moi. Non. Si. Bah non, je vais, je vais la vraie. C'est le principe de la vaisselle, c'est de laver, pas de casser. Oui, c'est ça, maman. Toi, tu casses toujours les verres. Voilà. Qui est... Attends, attends. Ça, je vais te dire. Qui est le plus flemmard? Maman, je l'appelle, elle dit attends. 2 heures plus tard, je l'attends encore. Qui a toujours la flemme? C'est quoi la flemme? Oui, elle connaît, chéché. Quand t'as pas envie de te t'as lever, pas le courage. T'as pas bougé, t'as pas le courage de bouger. Bon, d'accord, on va essayer. Non, c'est une blague. Mais non. Non, c'est une blague. Mais non. Elle a fait comme ça. Non, vrai, papa. Papa, il est flemmard. Mais on est tous les deux flemmards. On va très bien ensemble. On est flemmards tous les deux. Bébé, t'es un flemmard. Ouais, il est flemmard. Bébé, quoi? Pas du tout. Bébé, t'es flemmard. Non. Mais si, t'es flemmard. Mais laisse-moi dire que t'es flemmard. Tu veux lui remonter la tête? Non. Non. Non, mais t'es flemmard. Non. Je te jure. Non. T'es un mytho. Pourquoi? Je suis en flemmard encore? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que t'as la flemme. Vas-y, 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 vas-y. T'es posé sur le canapé, tu te lèves pas et tout, t'as la flemme. Et quand je, quand je me pose sur le canapé, c'est que j'ai déjà tout fait, que j'ai plus rien à faire. Non. Donc j'ai pas la flemme de faire quelque chose. Et quand je te demande de te lever, normalement tu sautes du canapé. Ouais, oui. T'as vu? Donc ils ont bien raison, c'est maman. Ouais, c'est maman. Non, c'est la meilleure des mamans. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Non. Vas-y, allez, continuez. Bah t'as pas mis de points. Bah tu as un point de plus à moi. Il y a plus besoin. Plus. Ouais. Et qui est le plus courageux? Bah ça c'est... Qui est le plus courageux? Courageux, c'est... Courageux. Bah t'as dit courageux. Ouais, mais c'est bon. Tu sais? C'est qui le plus courageux? C'est moi? Ah, les deux. Non, non, non. T'as un seul. Un seul. Bon, moi je dis que c'est les deux, mais je vais faire un des deux. Moi je dis que c'est les deux aussi. Je suis au hasard. C'est pas vrai. Oh. Non, en vrai, c'est papa le plus courageux, les filles. Mais oui, oui, oui. Non, mais sur ça, j'admets, il est plus courageux, papa. Et moi je suis une tapette sur plein de trucs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle voulait te faire plaisir, tu aurais cassé leur délire. Bah, elle fait plaisir de quoi? Mais elle peut me faire plaisir encore 10 fois, je te rattrape pas, wesh. Ça fait combien de points? Je sais plus compter, j'ai mal aux yeux. Elle a gagné 4 fois. Oui, maman, c'est plus facile de lire ses points. Mais papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai même pas compté. Bon, t'étais 13. Elle a 13. C'est bon, Soussou? Ah oui, ah oui. J'avais déjà donc dit. Donc le vrai meilleur papa, c'est... Le meilleur papa, c'est... Le meilleur parent, bah, c'est... C'est vrai que c'est le meilleur papa. Non, ça se dit pas meilleur parent. On va dire mais le... Je suis quand même une bonne maman, bébé. Bien mais sûr. Oui, t'es la meilleure maman. C'est la meilleure des mamans. Ouais, c'est ça, essayer de me rattraper.
Mais non. Et est-ce que vous voulez une part, abonnez-vous et likez si vous voulez une partie 2, qui est le meilleur enfant. On fait la vengeance des enfants après. S'ils veulent, on fait la spéciale enfant. 2. Spécial enfant. C'est nous qui voterons. Tu voteras toujours pour moi. Oh. Ah, vous avez fait ça en fait avant de commencer la vidéo? Non. Donc en fait vous êtes en train de faire un truc contre moi depuis le début, c'est pour ça que je vous donne pas de points. Non, essayez pas de te rassurer. Je suis pas au courant. Essayez pas de te rassurer, on a rien fait du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est juste ici aussi. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Commenter. Activer la cloche pour ne pas rater de prochaines vidéos. Et faites les pouces bleus. Faites les pouces bleus. Faites, je connais pas. Hein. Et abonnez-vous et likez si vous voulez partie 2.